Il est déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, jeudi 18 janvier, pour nous capable présenter toutes les informations qui ont dominé l'actualité rapidement, mais grand point. De nouveau, ambassadeur remet lettre créance au président de la République, Jovenel Moïse, mercredi 17 janvier 2018, là, dans le Palais national. C'est ambassadeur Jeffrey Williams pour Bahamas et puis Janet Olisa pour République fédérale Nigeria. Assemblée sénateurs a amendé règlement intérieur grand corps mardi 16 janvier passé. Quantité commission permanente passé sorti 13 pour arriver 15 et puis gagnant poste vice-recteur qui augmenté pour faciliter administration fonctionner plus bien. Les questions pas disponibles. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural mette boutan ayer mercredi dans un atelier de joli tap réalisé pour poser problème à la pêche lan pa bo ici. Directeur général ministère Sila Brani Eugène promet pour y faire suivi à recommandation qui sorti dans atelier Sila. Et puis à l'étranger, après plusieurs rencontres, discussions, des Coréens jouent une entente pour participer côte à côte dans les Jeux Olympiques hiver qui vient pour capable dérouler dans Corée d'ici à partir du mois de février qui vient là. C'est grand point ça à quelques navires pour capable porter pour un journal là n'a pas pas déplacer n'a tourner. Nous retournons pour développement information. Merci pour fidélité et attention à édition nouvelle. C'est là. Rapidement, je nous dis dans grand titre de nouveau ambassadeur remettre lettre qui bail au droit prend fonction officiellement par boy ici par président République la Jovenel Moïse mais dans Palais national. C'est ambassadeur Jeffrey Williams pour Bahamas et puis Janet Olisa pour République fédérale Nigeria. Ambassadeur Williams annonce autorité bahamienne a réfléchi sous possibilité pour petit haïtien qui fait sous territoire Bahamas capable arriver joindre un papier légal comme citoyen pays ici là. Yon l'autre bord, ambassadeur pays Nigeria Janet Olisa fait connait pays là pral collaborer avec pays d'Haïti dans divers domaines. En nous souvient extrait dans déclaration yo dans micro Sabine Jean Etienne avec Jean-Naël Duperné. Just go out there and get registered. Il y a plein de choses que nous allons faire ensemble qui seront que bénéfiques pour nos deux pays. Et quelles sont ces choses? L'agriculture, par exemple, parce qu'il fut un temps que 80% de nos fruits et légumes sortaient d'Haïti. Mais également dans tout ce qui est la pêche et le commerce en général. Et est-ce qu'il a abordé la question migratoire avec le président haïtien? Effectivement, il y a également un traité que nous allons devoir implémenter également très bientôt. À quel sujet? L'immigration. Bon, on a remarqué qu'il y avait une sorte de comment pourrais-je dire, d'inégalité en fait, de traitement incorrect par rapport aux situations des Haïtiens aux Bahamas. Donc en ce sens, nous cherchons à mettre en place des protocoles qui permettent un traitement plus équitable pour, et, par exemple, les enfants qui naissent aux Bahamas par rapport à leur statut migratoire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'implémenter. Just go out there and get registered. Sisterly love that we do have together. Nous espérons avoir une coopération très technique avec Haïti et continuer à construire cette relation de frères et sœurs que nous avons toujours eue avec Haïti. L'échange culturel également, il faut continuer à promouvoir cet échange culturel et pouvoir continuer à travailler en ce sens avec Haïti. We continue to share the cultural exchange between Haiti. Et n'a quitté pouvoir exécutif là, non prêt aller au niveau de pouvoir législatif là, dans le Parlement haïtien, soumis n'importe au prince, puisque nous t'es dit, dans grand titre, assemblée sénatoriale, amende règlement intérieur Sénat, mardi 16 janvier 2018 là, dans une séance plénière qui déroulait dans le Parlement haïtien. Quantité commissaire qui était 13 passé 15 et puis gain un poste vice-recteur qui augmenté pour faciliter administration fonctionner plus bien les questions principales là pas disponible. Sénateur Karl Murat Cantave qui était président commission SILA qui t'a travaillé sur amendement règlement intérieur grand corps montré satisfaction pour travailler ma commission ça yo réalisé.
En nous suivant extrait dans la déclaration de Namiko Fedler confident avec Moïse Wilbridge. Après que nous finissons fait travail là, il y a un bureau avec l'Assemblée qui est mandaté pour nous faire l'autre travail plus en profondeur qui a adressé en pile l'autre inadéquation qui a gagné au niveau de règlements intérieurs. Et c'est ainsi que la commission Chita a décidé sous inadéquation qui a gagné et nous avons porté des touches spéciales sur eux. Et je dis, nous avons gagné près de 15 commissions au lieu de 13 commissions. Donc, il y a une commission jeunesse et sport là, qui est une éducation qui est détachée. Et puis, nous avons une commission éducation qui n'est pas commission éducation seulement, qui est une commission éducation et formation professionnelle. Et ça, nous avons ajouté encore, nous avons ajouté la commission, et l'autre commission qui est la commission défense et forces armées. Et m'a dit que l'autre bagaille qui sont innovations que nous faisons dans le règlement, c'est le fait que nous mettons en vice-questeur. Parce que des fois, il y a une sorte de dysfonctionnement, ou pour mieux dire, un malfonctionnement au niveau du Sénat. Les questions sont déplacées par là pour 15 jours. Nous avons un vide, un vacuum, qui fait que nous ne sommes pas capables d'avancer administrativement. C'est ainsi que nous avons ajouté un vice-questeur okay, qui va servir d'élément de remplacement pour le que. Question là n'est pas présent. C'est bon création du poste, c'est bon création du poste. C'est bon création du poste, c'est une nécessité que le dé. Une nécessité par le fait que le Sénat souffre en pile les questions à déplacer. De la même manière, le président, le vice-président, et nous avons une question, enfin un vice-question tout, de sorte que les questions là pas là pour vice-question là, qui a fait office, n'est-ce pas, de question, pour que le cap signe tous les actes administratifs avec le président. Automatiquement, il est adopté, il rentre en application. Normalement, il faut le publier avant dans le journal officiel, le moniteur, mais il y a des précédents. Parce que l'année dernière, les ont fait ajustement commission au niveau numérique, on était passé de 7 à 13 et automatiquement on était appliqué. Puisque il y a un précédent, eh bien, hier. Nous avons adopté hier et même le nous adopté là, nous passé à l'application de tout amendement que nous faisons. Et nous avons toujours été dans le Parlement haïtien. Sénateur Niplan, François Denius, continue à faire plaidoyer pour décentralisation tourner une réalité. Le parlementaire dit que c'est le seul moyen pour le pays d'Haïti développer. Dans ce sens, il fait connaître le travail sur la loi CADA qui a fait sous question décentralisation. Toujours dans le micro, Fidner Kofida et Moïse Wilbridge. Je suis engagé parce que pour faire la collectivité avancer, le premier ça vous fait c'est pour faire un cadre légal. Et nous connaissons une loi sur la collectivité commune, loi sur la collectivité section communale, sur la collectivité départementale. Et nous avons fait déjà passer. Et loi sur le département, nous avons loi sur la commune, et que nous commençons à faire voter, et nous avons pour nous finir avec loi sur la section communale, sur la collectivité section communale. Une fois que nous finissons, et loi ça, que nous transmettons à la Chambre des députés, et nous allons engager nous pour nous faire plaidoirie pour côté commission collectivité territoriale dans la Chambre des députés pour faire loi ça passer. Mais il y a une loi surtout qui est moins à cœur que et pendant 2 ans, si les collègues font confiance dans la tête et la commission collectivité, c'est la loi sur la fonction publique territoriale. Moi, je pense que le temps pour nous bailler collectivité à une fonction publique. Ce n'est pas normal. Pour chaque magistrat qui monte, il monte avec groupe fonctionnaire par eux. Et là, il va aller avec peut-être toute expérience, toute compétence que les fonctionnaires qui étaient là, ils même été capables de gagner. Moi, je pense que si nous faisons 4 lois, ça va passer. Eh bien, nous avons fait œuvre qui va pendant 4 ans à présider la commission. Nous avons entré dans le dossier agriculture Kounia et nous avons dit dans le grand titre. Le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural a mis en place mercredi dans l'atelier de Julita pour réaliser pour poser le problème à la pêche par bon site. Atelier ça qui déroulé en présence acteurs national ou international, c'est une réussite d'après coordonnateur programme la pêche là Laurent Mérisier, directeur général du ministère agriculture docteur Branly Eugène promet à bien suivi qui a fait à recommandation qui sorti dans atelier c'est là un extrait. La discussion qui a commencé depuis hier et matin là gagné en synthèse qu'a fait de tout atelier qui était fait hier. Et un point qui soulevé
c'est accès au crédit, accès au financement. Et moi crois dans quatre programmes là et c'est un point que nous mettons en pile importance sur lui. C'est ça que fait nous te parler hier et côté de mal mettre en place un programme de cofinancement à travers le programme là qui pas pas un système de crédit à proprement parler. Mais il pourrait permettre que l'association ait accès à l'équipement, tant pour bateau, tant pour moteur, glacière, congélateur solaire, mais nous exiger que vous ayez une contribution et de telle sorte que vous êtes capable de gagner responsabilité par rapport à la gestion et matériel que vous pouvez recevoir en termes d'entretien, en termes d'utilisation par toutes les associations. Atelier ça, il est venu avec nos optiques pour capable renforcer la pêche. Parce que il y en a des que nous sommes capables de remarquer que. Et les capacités que nous gagnons, nous ne pas pêcher à niveau ça. Ça va demander pour nous faire des recherches, identifier des thématiques, pour discuter avec les gens qui font déjà et les gens qui peuvent accompagner nous. C'est dans l'optique ça que la banque est invité, IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement, avec IFEMER, c'est l'Institut français et pour l'exploitation de la mer. Ils vont accompagner nous pour identifier des thématiques. Et puis eux-mêmes ils peuvent faire des recherches sur eux et puis ils peuvent faire des recommandations comment nous capable accompagner et secteur pêche là en Haïti pour nous capable augmenter et production parce que vraiment capacité nous gagnons nous pour arriver à niveau que nous t'adouer préoccupation que y avec recommandations que me garantir que nous pouvons faire suivi sur et vraiment c'est au point que vous soulevez qui est très important pour moi parce que en pile fois il y a des travaux qui fait ces problèmes suivis. Après atelier a fini là, qui ça que nous fait? Nous gagnons un coordonnateur qui est très responsable et vraiment toute collaboration ensemble avec elle très franche que me connaît que m'a parlé très souvent, me connaît que après journée aujourd'hui, qui ça qu'a fait pour capable augmenter et production en pêche, accompagnement dans le secteur en général. Sorti dans le dossier agriculture, nous pour aller dans la question alphabétisation. Secrétaire d'État pour alphabétisation, Émile Brutus, qui te gagne à clé évêque Foi Liberté, Monseigneur Kesnel Alphonse, et puis directeur prison civile Foi Liberté, inspecteur divisionnaire Joseph Daniel Bastien, lancé officiellement lundi passé en combat alpha dans prison. Yo. Projet ça rentre dans le cadre et stratégie gouvernement dans le domaine alphabétisation. Comme ça, il vise montrer 127 personnes qui ferment en la prison, li ak écrit. C'est un programme qui a abouti dans le mois de juin 2018. La. Dans ce sens, secrétaire d'État pour alphabétisation, Émile Brutus, fait connaître éducation et formation, c'est un plus gros bien, un monde capable de gagner. C'est dans l'idée ça, yo lancé combat ça pour apprendre prisonnier yo li ak écrit d'après ça les faits qu'on est. Un grave problème de vision combat alpha a résoudre li. Un grave problème de méthode combat alpha a résoudre li. Un grave problème de stratégie. Un grave problème de planification. Eh bien combat alpha dans ce sens ça son projet révolutionnaire lié pour nous capable finir avec analphabétisme dans pays a. Objectif zéro analphabète. Mais nous avons l'autre objectif tout. Nous ne pouvons jamais arriver dans zéro analphabète ça. Tout le temps, nous pouvons rassembler, ramasser toute force pays pour nous faire alphabétisation. Et je dis, combien d'alpha dans la prison d'Haïti que nous l'ouvrons dans la prison civile pour liberté ça, dans la prison correctionnelle ça, lui exprimer ça après les. Deuxième objectif là, combat alpha, nous tous là-dedans. Président a dit, si nous faisons zéro analphabète, il faut que tout le monde là-dedans. Eh bien, je dis, c'est preuve que nous voulons tout le monde dans combat alpha, vrai. Parce que nous avons une catégorie de monde qui est pratiquement en dehors de la société, hein, c'est prisonniers, eh bien, nous travaillons avec eux. N'a toujours été dans le même sujet là, directeur prison civile à Foi Liberté, Joseph Daniel Abassin, sous bon parler, salier GFO gouvernement en place là, a fait avec nouveau projet c'est là, pour capable apprendre li ak écrit tout prisonnier yo. D'après ça, li fait connaître, c'est une quinzaine de prisonniers dans niveau pi avancé, qui pral servir comme moniteur et puis superviseur dans la classe qu'a faite dans la prison yo. Yon extrait dans la déclaration inspecteur divisionnaire Joseph Daniel Bastien, dans micro d'Aline Dorival. Je dis, c'est lancement l'école alphabétisation dans la prison ça.
et c'est la première prison correctionnelle en dans pays. Et je dis à nous joindre la première pierre là, c'est ici là, les fêtes. Je dis à nous qui ouvert sur ça, qui fait là. C'est pour nous. Pour faire nous reconnaître, nous c'est moun. Des moun qui a pensé pour nous. Et ceci, nous là, moun qui est entré dans la prison, qui n'est pas connu. Et demain, si Dieu veut, tout le monde a sorti de connu. Directrice Institut National de Formation Professionnelle qui est pour sigle INFP, Maggie Dussé parle sous problème l'école professionnelle a rencontré dans le pays d'Haïti. Maggie Dussé expliquait l'a déjà contacté président République là Jovenel Moïse sous dossier cela pour voir comment yo ka aider l'école professionnelle yo continuer fonctionner comme ça doit. Directrice Institut National de Formation Professionnelle a fait connaître l'a déjà chita parlé avec différents responsables l'école ça yo et puis voir comment yo capable nommer quelques professeurs qui gagne longtemps dans le système là. En nous suivant reportage avec Marie Jolie et puis Laurent Dali Jean-Jacques. L'école professionnelle JB Damier, c'est une parmi l'école qui a fait face à un pile en problème depuis après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Directrice en général à l'Institut national de formation professionnelle là, Maggie Dursé, dit la travaille pour porter solution à divers problèmes l'école professionnelle a connaît journée jeudi. JB Damier lui-même c'est un cas qui particulier dans la mesure où niveau l'école en représentation l'école dans sa lié comme patrimoine pays. Nous dit président tout penché sous cas, il dit que n'a pas cherché de moyens, que ce soit nationaux et internationaux, en termes de financement pour nous capables de reconstruire JB Damier par rapport à patrimoine que le représentait. Ce qui fait que l'était plus difficile puisque tout le monde connaît que INFP a environ 2%, moins que 2% de budget ministère éducation nationale. Et puisque ce budget a été reconduit et que nous pas vraiment un budget d'investissement valable, donc ce qui fait que l'hypoco pratique pour INFP à rentrer sous JB Damier parce que JB Damier pas gain espace local l'ont écrasé par le tremblement de terre. Donc c'est des études que n'a fait même gens avec le centre de Saint-Martin qui lui-même joigne au financement de la BCD et très bientôt nous va le faire pose première pierre parce que tout processus est en cours. Donc ou gagner BCD qui joigne au financement d'environ 14 millions de dollars américains. Donc ça veut dire que nouvelle donne moderne que INFP, direction générale, a décidé avec gouvernement pour le bail des écoles de qualité. Donc c'est dans ce sens ça que nous demandons, ni apprenant JB Damier, ni directeur JB Damier, et tout le monde qui est personnel qui est dans JB Damier, pour autant que gouvernement arrive, joigne financement ça dans un délai pas trop court pour nous capable de faire une intervention qui gagne dimension que nous voulons. Directrice générale là, expliquer la travail en tête collée à un secteur privé pour comment yo ka joindre une entente pour jeunes qui fin étudier yo joindre un espace pour travailler après étudio. Nous même en direction générale INFP, nous essayer et nous répondre. Non seulement nous suivons processus qui était pratiquement nous t'a dit à moyen terme parce que depuis nous gagnons date que le 24 novembre que le ministre l'a répondu nous pour le capable faire nomination yo. Donc ça veut dire que le processus est en cours et nous t'es assuré syndicat yo que les syndicalistes que tout dossier que yo mandé yo nous gétant devant CEO non seulement nous fait nomination yo et nous proposer nomination yo avec régulation que yo demandé en termes salarial par rapport à niveau de salaire là et nous gain document à l'appui côté que l'enchita avec yo même document régularisation que nous même en dans INFP nous bail ministre là c'est yo même qui prépare l'islan et nous même nous fait évaluation et nous entériner pour nous voyer le bail ministre là. Cela veut dire que c'est des dossiers qui en cours et nous estimer qu'on y est
c'est une autre phase que formateur ça yo qui refusait à l'instant yo prend parce que Livin relevé d'une mauvaise foi et nous croyons que le syndicalisme li définit qui gens pour négociation faite, li définit qui gens processus yo fait et moi crois que ce qui se fait là maintenant li dépasser yon cadre de négociation. Magui Diouce expliqué, il y a continué travailler pour accompagner l'école professionnelle ça yo pour yo ka répondre à exigence marché. Union nationale normalien haïtien UNO mandé mardi 16 janvier passé à autorité concernée yo pour capable prendre mesure pour bail traitement qui nécessaire à secteur éducation. Professeur Josué Mérilien expliquait, il y a continuellement de 35% dans budget république là pour capable river créer plus l'école et université dans pays. En même temps, Josué Mérilien souhaitait responsable voter et puis appliquer grille salariale pour professeur yo capable bien toucher selon qualification yo. En nous suivant extrait dans déclaration de l'ami Mildred Miliasa avec Widmayer Louis. Et journée aujourd'hui, quand nous connaissons problème qui gagne dans l'État, donc nous voyons que son bagage qui est tout à fait favorable pour le ministère de l'Éducation nationale, nous-mêmes qui l'a pour former les gens, pour nous travailler dans des conditions comme ça. Parfois, même courant, pas gagné dans le site. Donc, nous estimons que c'est des problèmes que le ministère doit penser sur pressé pour un exercice fiscal, nouveau exercice fiscal. Ça. Et puis l'autre bagage qui a intervenu sur lui, c'est par rapport à l'entente que nous avons gagné comme syndicat avec le président de la République là. Côté que après que nous avons posé une série de problèmes avec lui que le ministère a confronté, le président de nous garantit que dans une quinzaine de jours, la planification va être avec nous pour capable non seulement poser des problèmes, mais où est l'élément de réponse, qui est l'élément de solution qui est capable de porter à problème ça. Mais nous constatons que deux mois après, pas gagné qu'une rencontre qui fait. Et nous avons expliqué au président de la République déjà que si jours aujourd'hui là, le ministère n'a pas campé, c'est par rapport à une série de. Lui-même qui demande non sursis pour nous capables de chita, parce que l'employeur est disposé à camper le travail par rapport à non seulement les conditions de travail, mais les conditions de vie autour. Donc, comme le président de la République a garanti que la bien pour chita parler avec nous, et pour ton réponse à genre de problème que nous avons posé, donc nous avons essayé de demander à l'employeur pour faire un chita. Causer corruption et népotisme qui a fait en l'administration publique, dans le ministère de l'Éducation nationale. Et nous remarquons que le ministre lui-même l'a choisi pour lui honorer une série de monde qui gagnent et de passer douter dans la place dans une série de postes ou bien la promotion en dedans ministère de l'Éducation nationale. Nous remarquons tout gagnent de casser fait pour ouvrir ça qu'a fait par rapport à des monde qui gagnent suspicion sur faux papiers à utiliser en dedans ministère. Et nous avons tout profité pour nous dénoncer une série d'employés qui amusaient pour rançonner en particulier les vendeurs, une série de services dans le ministère qui n'ont pas payé. Et bien, ils amusaient pour prendre un gros problème dans les mains particuliers. Nous pensons que c'est un bagage qui pour dénoncer et nous demandé aux particuliers pour porter plainte, laisse arriver. Nous avons dénoncé harcèlement sexuel qui a fait à deux niveaux. Et notre premier niveau, c'est sous. Employés dans l'administration, même par supérieur hiérarchique, ils ont même capable de mettre des avantages pour être capable de sortir ensemble avec eux. Mais dans l'autre niveau, tout c'est par rapport à un particulier qui vient solliciter service en dans le ministère et que employé en misère pour eux, abuser eux, les qu'ils ont pas connaît qui ça pour eux faire pour rejoindre tel ou tel service. Toujours dans le dossier éducation, sorti mois de mars 2017, pour arriver mois de janvier 2018, si là, ministère éducation nationale et formation professionnelle, arrive récupérer plus passé 71 millions gouda. D'après ça, ministre Pierre José Agenon Cadet fait connaître. Selon ministre, l'agence a été qu'on a dépensé dans mauvaises conditions. En dans ministère éducation nationale et formation professionnelle. En nous souvient extrait dans micro John Herbie Kasséus et EVP. 71 millions de gourdes dans trois départements seulement, qui c'est l'Ouest, Nord et la Tibonite. 71 millions de gourdes qui t'a dépensé par l'État dans très mauvaises conditions. Professeur qui pas là, chèque a sauté sous lui. Professeur qui mourit, chèque là toujours a sauté. Et bien c'est tout comme ça. Cependant, nous dit aujourd'hui qu'il y a plus passé 71 millions de gouttes. Mais dans l'autre 7 départements, tout, nous faisons ce travail. Ça, tout. Nous avons un mois depuis nous faisons, nous ne pouvons pas faire des chiffres. Parce que pour nous dire tant que nous faisons, c'est après 3 mois. Parce que l'ENAL fait travail là, supervision,
un professeur pour raison mais mon l'autre on doit être absent mais après 3 mois il va être absent pour 3 mois d'ailleurs dans l'état lui-même la loi claire sur question bon nombre de jours ou pas faire qu'on pas présent de vous faire un nombre de jours sont pas présent ou considérer comme monde qui pas là nous avons rédigé des milliers de lettres de nomination pour enseignants et n'a continué faire ça cependant nous pas font gros rencontre jeudi avec tout directeur départemental yo côté nous pas faire au point des engagements clairs. Yo pral mener enquête dans tout lycée. Si un directeur départemental complice de un cas de sous-traitance, li complice d'un cas de nomination qui mal faite, par exemple, dans dossier m'a traité là, moi joine des cas et grand pile sanction que t'en prend. Des cas côté, moun entend de l'état pral nommer et bien il commence à mettre petits amis, petit boubout, petit famille en dans liste là pour dire qu'elle là dedans pour nommer. Et bien nous-mêmes n'a très vigilant sur ça. C'est un directeur départemental qui lui-même ta complice l'a prévoqué automatiquement et directeur départemental tout pour joindre directeur de l'école nationale directeur lycée pour bayo message là si on moun ou dit moun ça dans classe nous joindre li pas dans classe tout bon vrai eh bien ça c'est corruption au dernier degré et la joindre tout on sanction à la dernière mesure. Et c'est là nous fermons un chapitre local là nous prenons à l'étranger. Un ancien agent CIA joint arrestation li ayen à l'aéroport New York là. Autorité yo ta accusé misé comme quoi dirait l'état gagné document secret nan mené depuis l'année 2012. Euronews pour plus de détails. Une histoire dont on pourrait faire un film. Ici, à l'aéroport JFK de New York, les Américains ont arrêté un ex-agent de la CIA. Les enquêteurs avaient découvert en 2012 que Jerry Shun Shing Lee possédait des documents top secrets, notamment une liste d'agents, des comptes rendus de rencontres et des adresses d'abris clandestins. Cet ancien militaire naturalisé américain avait rejoint la CIA en 1994 avant de la quitter en 2007 et de s'installer à Hong Kong. 5 ans plus tard, alors qu'il rentre vivre aux États-Unis, le FBI trouve ses carnets remplis de notes classées secret défense. L'homme a-t-il transmis des informations à des pays tiers, notamment la Chine, où Washington pense qu'une taupe opérait ? Entre 2010 et 2012, la Chine a en effet exécuté au moins une douzaine d'agents de la CIA. N'a toujours été à l'étranger, noté Dilina Grand Titio, Corée du Nord et Corée du Sud pral défiler côte à côte dans la cérémonie pour capable l'ouvrir Jeux Olympiques d'hiver qui a fait dans Corée du Sud 9 février qui a venu là. De y a gagné yon équipe ensemble qui a participé dans tournoi féminin hockey sur glace là. Deux autorités ça, deux pays ça arrivé jeune en accord après plusieurs discussions yo té gagné. En nous suivant reportage à Kyrgyz. Cette fois c'est fait, les deux délégations ont scellé un accord. La Corée du Nord se joindra aux Jeux Olympiques d'hiver chez sa voisine du Sud. Après des mois d'escalade et d'échanges belliqueux autour du programme nucléaire nord-coréen, les détails ont été négociés dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule. 30 ans dans tout studio télévision d'Haïti Delma 33 Port-au-Prince. L'arrivée est au moment pour nous capables d'aller, mais avant que nous disions bye-bye, permettre que nous rappeler au grand point qui domine l'actualité. De nouveau, ambassadeur remettant lettre qui baille au droit prend fonction officiellement par Boïsit, by président République la Jovenel Moïse, mercredi 17 janvier 2018 là, pendant une cérémonie qui déroulait dans le Palais National. C'est ambassadeur Jeffrey Williams pour Bahamas et puis Janet Olisa pour République fédérale Nigeria. Assemblée sénateurs a amendé règlement intérieur grand corps mardi 16 janvier passé. Quantité commission permanente qui était 13 ans passé à 15 ans et puis un poste vice-questeur qui augmenté pour faciliter administration fonctionner sans problème les questeurs principaux là pas disponible. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural mette bout à hier mercredi dans un atelier de jeudi tap réalisé pour poser problème la pêche là par boy ici. Directeur général ministère Silla Brani Eugène promet pour lui faire suivi à toute recommandation
qui sorti dans Chita Palais sa yo. Et puis à l'étranger, après plusieurs rencontres discussions, deux Corée du Sud et Corée du Nord joignent une entente pour capable participer côte à côte dans les Jeux Olympiques hiver yo cap fête dans Corée du Sud à partir mois de février qui a venu là. Nous te content ensemble avec vous capable porter toutes informations pour la caillou. Direte seulement pour capable souhaiter passer un très beau jeudi sur télévision nationale d'Haïti. Rendez-vous avec demain matin. Bye bye.